Bonjour, bonsoir, frère Maxwell, moi suis content pour moi croiser ensemble avec vous une autre fois encore pour nous continuer avec la série d'études que nous avons fait sous livre Daniel. Je dis à nous rentrer dans le cinquième chapitre du livre Daniel. Alors, nous souhaitons bienvenue ou même qui fait tomber sur vidéo ça, d'avoir encouragé ou si vous pouvez regarder l'autre vidéo nous fait et avant vous. Nous encourageons à le faire ça. Sous le livre Daniel, là, nous avons chapitre 1, 2, 3, 4, nous fait déjà. Nous encourageons à le regarder. Et puis, inscrivez-vous sur vos côtés, faites ça. Pas négliger, partager et étudier ça avec le plus de monde possible pour nous avoir plus de monde qui connaît le travail ça. Et non, bon Dieu, elle va glorifier. Avant de nous rentrer dans l'étude pour aujourd'hui, hein, tant que nous faisons chaque jour, faites mes yeux, baissez tête. On nous prie ensemble, Papa, bon Dieu. Seigneur, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous sentons contents pour nous appuyer une autre fois encore, Seigneur, pour nous continuer à étudier la parole. Merci, Papa, pour l'enseignement que vous avez pour nous. Seigneur, pas quitter nous, apprendre l'histoire ça pour apprendre. Pas quitter nous, connaître contenu ça, connaître information ça seulement pour nous connaître. Mais tant pis, Seigneur, aidez-nous. À non seulement connaître et vivre selon ça nous connaît. Papa, béni moment étude ça pour nous une autre fois encore. Béni chaque ami qui prend décision pour étudier et livre Daniel ensemble avec nous. Papa, t'en prie, aidez-nous à faire connaissance ensemble avec vous une autre fois encore. Aidez-nous à connaître plus à partir de étude parole que nous avons fait. Seigneur, pas quitter nous étudier pour étudier, pas quitter et le son ça yo, étude ça yo rentrer nos oreilles sorti dans l'autre oreille là. Maintenant pour papa, aidez-nous pour nous quitter parole ça transformer nous, parole ça yo transformer nous. Jean voulait pour nous capables sembler ensemble avec. Fais-nous grâce s'il plaît. Bénis-nous bien béni. Ben nos capacités pour nous comprendre et partager parole ça yo avec petit tout dans moment ça. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Une autre fois encore, nous souhaitons bienvenue dans le moment d'étude ça même. C'est avec que nous remplis avec joie, nous croisons ensemble avec vous pour nous capables de continuer étudier parole bon Dieu. Nous espérons ou pas qu'elle continue ça pour qu'on tout ou partager avec l'autre monde. Lorsque nous disons ou partager, ou pas seulement ou prendre le lien, ou partager à l'autre monde. Non, ou prend Bibou, ok, ou essayer expliquer l'autre monde livre Daniel. Ça aide ou comprendre plus, ça aide ou apprendre plus bagaille tout. Ok, nous encourageons à faire ça. Pas qu'un contenu ça pour qu'on tout partager avec l'autre monde. Maintenant, avant de rentrer dans le chapitre 5, livre Daniel, que nous allons étudier aujourd'hui, on nous fait un petit rappel pour nous. Nous sommes dans le chapitre 1er, livre Daniel, Nebuchadnezzar est allé à Jérusalem, il était pris une quantité de monde, il allé avec eux à Babylone. Et parmi les gens qui étaient allé avec eux, il y a Daniel, il y a Michael, Azaria, Anania qui devaient changer puis devant. Maintenant, on te voit tout Nebuchadnezzar te prend ustensile yo te kon utilisé dans temple pour faire service dans temple il t'a allé ensemble avec yo tout mais faut que nous rappelons Nebuchadnezzar pas te allé une seule fois en 605 Jérusalem et puis il tout détruit non en 605 il allé en quantité monde en 597 il retourne encore il nous te dit 8 ans après il allé en quantité monde et en 586 il vini l'écraser Jérusalem net. OK, pas de gain Jérusalem encore, tout le monde trouvé yo maintenant en esclavage en Babylone. Et nous t'ai ensemble avec nous dans lorsque monsieur est arrivé Babylone et comment gade yo t'a essayé changer et penser monsieur yo changer face au manger, mais bon Dieu t'es passé ensemble avec yo et dans chapitre 2 an, et ça qui passe dans chapitre 2 nous c'est nous dans année 602 avant Jésus-Christ. Maintenant chapitre 2 an, Nebuchadnezzar fait un rêve. Alors il y a plusieurs rêves là fait qui t'est troublé lui
Maintenant, bon rêve, il tient à ce que lui joigne explication rêve ça et lui voyait chercher tout grand dans le royaume lien, personne monde pas qu'a expliqué le rêve là, c'était Daniel qui t'a expliqué le rêve là. OK, même lorsque on a fait ce rappel ensemble avec vous, nous encourager même sous pour côté garder chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, nous fait déjà nous encourager à regarder, Maintenant dans chapitre 3, Nebuchadnezzar te font statue en or net. OK, Daniel dans statue Daniel dit c'est seulement dans rêve il était fait dans chapitre 2 Daniel te dit c'est seulement tête là qui en or, tête là représenter lui-même. Maintenant les font statue en honnête et il te bail l'ordre pour tout le monde mettre à genoux devant statue, te gain Anania, Michael, Azaria qui pas décidé mettre à genoux et te lagué monsieur dans fournaise à Dantlan et bon Dieu te volé au secours de yo. Maintenant dans chapitre 4 encore Nebuchadnezzar fait un rêve maintenant fois ça li songe rêve là et li voye chercher tout le monde pour ba explication yo pas capable et c'est Daniel qui t'a expliqué le rêve là et bon Dieu t'a ba un avertissement pour te fonti camper à faire orgueil li hein? Sinon bon Dieu a fait le fait 7 ans à manger zèbre à vivre parmi bêtes maintenant et lorsque lui ouais temps passé ça beaucoup ça pas fait la frappe l'estomac il fait grand gorge dit ça le fait et puis même côté a bon Dieu te permet à ce que Nebuchadnezzar pour ses ongles mais longueur pour ses plumes sous lui al non coin al réfléchir et nous te voyons ensemble avec vous chapitre 4 là c'est Nebuchadnezzar même qui a expliqué et qui ça l'était vivre qui ça l'était passé. OK, yon Nebuchadnezzar alors Nebuchadnezzar te mouri et converti d'après toute histoire de mouri quoi dans Dieu Babylone dans Dieu Daniel là le Dieu d'Israël parce que nous te ouais avec dans chapitre 4 là il était by gloire il était loué bon Dieu et bon Dieu le Dieu d'Israël. Maintenant nous arrivé dans chapitre 5 là d'après histoire yo dit nous après Nebuchadnezzar te fin transformé en bête bon Dieu te vin fait chita sous trône là encore Nebuchadnezzar te passé 7 ans à diriger à prospérer tout bagarre te bien marché pour lui avant il te mourir. OK, ou capable comprendre Nebuchadnezzar converti il accepté le Dieu d'Israël moun nan en Babylone k'ap diriger ensemble avec lui moun yo pas content. Lorsque Nebuchadnezzar mouri c'est sûr nous va le garder yo retourner avec toute pratique yo te gen avant yon encore adorer faux dieu yo lorsque Nebuchadnezzar mouri. Mais faut que nous di ou pas songe si m'te di ça dans étude avant yo ouais tout ça k'ap fait là yo bon Dieu te gen tan annoncé et à peuple Israël là mais ça pral arriver yo pral passer 70 ans en esclavage en Babylone. Dans Jérémie 25 verset 11 il dit tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Bon Dieu te gagne dans le peuple Israël, pour désobéissance, nous allons passer 70 ans dans l'esclavage kay babylonien. Et ça nous allons étudier aujourd'hui, qui c'est Babylone qui tombe, Rey Babylone qui finit, Jean Daniel Tewel dans statue et Nebuchadnezzar dans Daniel 2 après et Babylone gon l'autre nation gon l'autre royaume qui va venir. Maintenant bon Dieu te gétant annoncé le tout avec prophète li si nous garder dans Jérémie 25 verset 12 il dit mais lorsque ces 70 ans seront accomplis je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Bon Dieu t'a dit, après 70 ans fin passé, bon Dieu t'a connu ça qui va le passer. Nebuchadnezzar t'a converti vrai, mais après Nebuchadnezzar fin mourir, roi qui vient après Nebuchadnezzar, regardez, yo allé dans même ligne Nebuchadnezzar te avant. D'après l'histoire, après Nebuchadnezzar fin mouri, il y a plusieurs autres rois qui passaient avant nous vinn joine Nabonit qui c'est papa Belshazzar nous va l'étudier aujourd'hui. Mais yo pas te dur en pile temps. OK? Et m'vlai attirer attention sur texte ça encore pour voir comment prophétie yo exact. Bon Dieu, garde li averti tout ça qui va le faire. Parce que ouais si Babylone te repenti, yo te allé dans même ligne Nebuchadnezzar là, peut-être
et histoire là t'es qu'a fait t'es qu'a différent parce que lorsque bon Dieu voyait peuple Israël en Babylone c'est pour bailler une chance pour convertir eux même tout lorsque bon Dieu met ton petit li bon côté aux amis c'est pour bailler une chance pour convertir lorsque bon Dieu met ton monde bon côté au cap servir bon Dieu comme si qui pas la école dans toute bagaille bon Dieu voyons exemple pour faut prendre c'est pas courir pour courir derrière monde non. On regarde qui ça lui dit dans Ésaïe 45 verset 1. Il dit ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Bon Dieu t'a gétan dit qui est capé garder qui est caprin reine dans mes Babylone 150 ans avant Cyrus t'est fait bon Dieu t'a gétan dit c'est Cyrus qui a venu pour capable garder délivrer peuple là qui a crasé Babylone et dans Ésaïe 44 verset 27 28 m'a pas faire vidéo ça trop longue ou ka regarder après bon Dieu t'a by stratégie Cyrus pour utiliser pour craser Babylone pour détruire Babylone et il fait exactement Jean bon Dieu t'a dit là et c'est ça nous pour aller ensemble avec vous dans leçon dans étude jodi an nous lire ensemble avec moi et Daniel 5 verset 1 il dit le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence après Nebuchadnezzar fin mourir moi sorti ou gain plusieurs autres rois qui montaient après Nebuchadnezzar mais ou pas arrêté du anticastan maintenant vinn gain Nabonide ça c'était un prêtre de terre un prêtre et babylonien, OK? Monsieur était trop intéressé à question pouvoir, oui, qui vient trouver le sous pouvoir. Maintenant, il vient marier avec petite Nebuchadnezzar, histoire yo raconter tout bagage ça yo. Et il y a petite qui c'est Belshazzar n'a étudié jodi an là. Belshazzar, c'était un petit jeune Nabonide, yo dit nous il pas était trop c'est bon qui était trop connecté à question pouvoir, il était plus sous voyager. Alors faut que nous dire bon quantité de temps mon cap critiquer la Bible. Yo dit que dans toute histoire yo pas jamais wè wa ça qui relé Belshazzar c'est seulement la Bible ça son erreur et puis dans 19e siècle yo gon paquet découverte archéologique qui fait qui montrait que Belshazzar t'est existé t'est bien et bel et bien existé par exemple scientiste ça et qui relé William Fox il gen l'autre nom d'elle toujours monsieur yo t'est publié yon recherche monsieur t'est fait en 1871 qui expliquait monsieur traduit et petit document ça alors ça m'a montré là son document était dans époque là OK monsieur traduit document ça li dans traduction hein, c'est une prière ou un abonnement te fait pour petite en faveur de petite li Belshazzar yo vinn découvrir li yo vinn découvrir après et m'a présenté au tablette ça tout il est les chroniques de Nabonide. OK, ou konn wè chronique dans livre chronique yo raconte histoire wa yo. Et ben dans chronique de Nabonide, li parlait de Belshazzar qui était toujours remplacé papal lorsque papal était dehors. Li dit dans tablette ça, li dit wa Nabonide c'est mon qui était trop fermé soit fait pouvoir, il va trop remé ba ça, il était passé plus temps dehors pendant dehors. Si petit li Belshazzar qui était régné dans place. Maintenant Belshazzar ça son équité remet fête, il remet fêté. Maintenant yo dit nous monsieur invite moun dans verset chapitre 5 verset 1, il invite 1000 moun spécial dans royaume li pour capable faire une grand fête. Et verset 2 a moi invite li ensemble avec nous, il dit Belshazzar quand il eut goûté au vin fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Monsieur font bagaille qui garde monsieur quitte limite là. Pendant la prend plaisir, la boit, maintenant il fait porter pour lui tout matériel et Nebuchadnezzar te prend dans temple Jérusalem nan nous songe lorsque Nebuchadnezzar t'a été fait au prend ustensilio nous t'a dit ba yo te kon utiliser nan temple Israël là OK pour bail bon Dieu gloire pour faire service pour le Dieu d'Israël li fait vin bagay sa yo maintenant la boue nan yo la prend plaisir monsieur sou il fait vin bagay sa yo la boue
Maintenant, qui ça qui attire attention nous dans ça? Il y a monde qui t'a dit frère Joab, yo dit c'est monsieur c'était petite Nebuchadnezzar. Bon, si on regarde dans la Bible, ou après on dit Jésus c'est petit David. Jésus pas été sorti dans David, nous connaît biologiquement sous la terre Jésus. Jésus c'est petit Joseph. Mais en matière de grands-parents, il y aurait les moun yo petit l'autre là, ça pas un problème du tout. OK? Même l'autre gars même l'autre gars garder n'importe 5 générations qui passaient avant, il y aurait les moun ça au petit Joab, petit Wilbert, petit ni pas un problème. Voilà. Maintenant monsieur fait au venir avec vase ça yo avec matériel sacré ça yo et puis il commencer à boire à sou à prendre plaisir. Son façon pour humilier le Dieu d'Israël parce que pape Nebuchadnezzar qui était converti, OK, nous t'a dit comme ça, qui était croyé dans le Dieu d'Israël. Nous t'a dit lorsque Nebuchadnezzar était là, c'est sûr, il était metté bagage ça en côté spécial. Monsieur, yon façon pour humilier le Dieu d'Israël, nous t'a dit non sens comme ça pour humilier juif yo, il prend et ustensile matériel ça yo, il fait venir avec yo et il dit nous n'en fait ça au généralement, wa kon payer des prostituées côté mon a fait sexe mon a fait toute vieille bagaille OK dans fait ça y a boire yo sou et c'est là il fait venir avec instrument sacré ça on veut kembe on veut font camper là pour attirer attention nous sur ça frère Max Chambier ouais bagaille bon dieu bagaille sacré bon dieu mon pas jouer avec bagaille sacré bon dieu gen moun ki prend plaisir yo comme si nèg la jeune garçon li fait tout week-end n'a prend plaisir a boire nan bagay tête chargée et puis samedi matin ou bien les culte l'église lan li vin jouer sous piano l'église lan sous bagay sacré frère monsieur mes amis c'est malédiction ou après aller sous tête ou même ka fait bagay comme ça OK ou nan tout sak pa bon pendant week-end nan et puis garder pendant culte là ou vin prend pause c'est malédiction ou après aller sous tête maintenant monsieur t'a prend plaisir son façon nous t'a dit t'a essayer garder dans tête li humilier le dieu d'Israël pour dire ah ça pas ça grand papa nous t'a dit Nebuchadnezzar t'es quoi là dedans bah ça son bagaille bah ça ou pas gain valeur vous et Dieu ça ou pas gain valeur vous parce que me t'ai dit au commencement étude là lorsque yon nation aller ka yon l'autre nation li nous t'a dit li mette nation en esclavage si yon nan guerre li bat l'autre nation li comprend yo comprendre que Dieu l'autre nation ça yo li pi faible parce que Dieu pa yo a dit monsieur Belshazzar il était vle fait senti le Dieu d'Israël pa rien on regarde qui ça qui rivé dans verset 3 alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et le roi et ses grands ses femmes ses concubines s'en servir pour boire. Verset 4, ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Nous, c'est Samson Abdoulan. Pendant la boue dans le matériel sacré et peuple Israël, nous avons utilisé pour faire des choses sacrées, peuple. Maintenant, la baille Dieu lui a gloire. Maintenant, verset 5, on dit non. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Ils écrivent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux, gardez, ont frappé les uns contre les autres. Lorsque y a prend plaisir yo nou ta ka di gros cri a fait relan mwen yo content ou content de bay ça yo y a boire yo sou et puis gade gon espace dans salle là qui très visible côté tout moun ka wè gon men qui paraît k'ap écrit un bagay nan mur là gon men qui paraît k'ap écrit pa gen moun ki wè ko pa gen moun ki wè seulement tout moun wè men a écrit maintenant tout moun saisi nou ta ka di fait la craser fait la fini parce que gardez c'était crilté parce que tout le monde saisit et yo dit nous wa lui-même wa tellement saisi nous t'a dit yo dit nous ceinture monsieur relâché c'est un coup wa gardez la trembler deux pieds la frappe ensemble tellement saisi et monsieur même pipi sous lit d'après ça texte ça dit nous là il était vle écrit ça humilier le Dieu d'Israël
Et là, bon Dieu mettait nos situations devant tout le monde a assisté wa, tout le monde a gardé wa, qui peur qui pas cafonier, qui trouvait devant situation, li pas cafonier. Frères et sœurs, ou pas jouer à bon Dieu. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Ou pas qu'à comprendre pour garder pour prendre bon Dieu tant qu'on ti marionnette, tant qu'on ti jouet. Gon leur ka privé, Abraham a dit c'est assez. Maintenant, verset 7 là, on dit nous, ou a crié à toute force. Que tout chaldéen yo, tout astrologue yo, tout devin yo, que tout monde sa ou vin là pour nous dire qui ça qui écrit dans mur là. Nous besoin yon explication. Nous besoin yon explication. Et quel que soit monde qui dit ça qui écrit dans mur ça, ou a peur, m'a pe gade, m'a bay troisième place dans royaume là. M'a bay troisième place dans royaume là, moi sot di ou, dans commencement étude là, moi sot di ou, papa monsieur qui c'est Nabonid, qui c'est wa qui pa là. OK, maintenant monsieur a joué rôle là dans place papa, s'il dit la bay troisième place là, ça dit papa dans première place là, dans deuxième place là, la bay troisième place là. Il dit regardez, quel que soit monde qui fait me comprendre ça qui écrit là, m'a habillé de pourpre, OK, et puis m'a bal troisième place dans royaume là. Maintenant tout sage yo vini, même Jean Nebuchadnezzar, tout astrologue yo, tout devin yo vini, yo pas ka li ça qui écrit. Yo pa ka expliquer monsieur ça qui écrit. Monsieur était paniqué et yo dit nous verset 9 là sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Monsieur gardé, il était peur en pile. Il était peur. Frère monsieur mes amis, ouais lorsque bon Dieu a pas agi, si ou a fait ça qui pas bon, ou rester dans ça dans faire ça qui pas bon. Ou est bon Dieu pour agir ensemble avec vous, son temps bon Dieu bail pour repentir, pour capable abandonner ça qui pas bon yo, parce que colère bon Dieu, regardez lorsque il frappe jugement bon Dieu, lorsque il frappe méchant au pape qui a résisté. Maintenant c'est alors, yo dit dans verset 10, la reine à cause des paroles du roi et ses grands entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole, ô roi vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Gade reine là qui paté là, en pile monde qui a étudié la Bible dit reine ça c'est paté madame et Belshazzar parce que madame Belshazzar c'est sûr était là dans fête là. C'est pas madame Nabonid tout parce que Nabonid a voyagé, il voyage à madame ni. En pile monde comprendre que c'est madame Nebuchadnezzar qui t'est converti même Jean Nebuchadnezzar qui pas participé dans bagage ça et d'autre en plus pour rentrer dans présence roi sans roi avec invité ou quand même mourir puisque li son notre a dit son vieux OK tout le monde gagne respect pour lui li gagne c'est ça qui fait li ca rentrer maintenant li saluer roi li dit roi garde pas besoin peur verset 11 il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Reine rentrée, lui dit, wow, on n'a pas besoin d'être tout problème, on n'a pas besoin de peur. Ou a besoin peur gen yon nèg nan royaume ou gen moun nan royaume ou lorsque Nebuchadnezzar était là gade Nebuchadnezzar te trouvé monsieur son nèg qui gon esprit dépassé son nèg qui intelligent son nèg qui gon Dieu k'ap marcher ensemble avec lui et Nebuchadnezzar te bay en pile valeur et verset 12 an dit parce qu'on trouva chez lui chez Daniel nommé par le roi Belshazzar un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Maintenant, reine rentre les dimissions, pas besoin d'être tout problème. Gon moun qui ka résoudre ça, lire les Daniel. Et verset 13 là dit nous, alors on a mandé pour faire Daniel venir. Daniel pas là. Ou capable comprendre Daniel pas là. Gen fête qui pas pour vous. Côté yo pa célébrer le nom de Dieu ou pa ka la. Côté gade y a craché sou nom bon Dieu ou pa ka la. C'est sûr yo di nou Daniel côté le té hein, li pa ka dormi tellement te gen bruit, tellement bruit moun yo ta prend plaisir yo, Daniel pa ka dormi, c'est sûr li ta prié.
Maintenant, bon Dieu fait intervention. Et yo relé Daniel, wa relé Daniel. Wa un petit jeune qui gagne environ 40 ans. OK, maintenant Daniel vini. Lorsque Daniel vini, le roi prit la parole et dit à Daniel: "Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda?" Lorsque Daniel rivé, monsieur c'est tant qu'il t'avait humilié Daniel. Parce que lorsque yo relé ou nan non hébreu ou gagne pour yo même c'est humilié yo humilié parce que le connaît Daniel le Belshazzar, yo t'ai changé non Daniel. Non babylonien Daniel c'est Belshazzar puisque lui-même tout le Belshazzar, il y a problème pour le Daniel Belshazzar. Maintenant, il dit est-ce que c'est vous qui gardez papa t'al prend esclave hein, et t'al prend esclave et Juda, est-ce que c'est vous? Son façon pour humilier l'autre là. Maintenant, monsieur dit moi apprendre que ou gain en ou verset 14 moi apprendre que ou gain l'esprit des dieux, gardez ou gain intelligence ou gain sagesse. Mais en réalité, qui est monde qui pas connaît Daniel dans règne Nebuchadnezzar? Parce que alors Belshazzar connaît Daniel. Belshazzar dans l'époque là c'est sûr lorsque Daniel t'a fait tout ça, t'a fait avec Nebuchadnezzar. Belshazzar t'est si jeune, il te connaît mais il pas voulait associer à Daniel. Ou connait des fois ou rivon côté c'est ou qui gain connaissance là oui, mais mon n'a voulait humilier quand même la cherche un Jean pour le descendre nous. Maintenant Daniel pas de prendre provocation ça. Ou apprend la parole, il dit dans verset 15. Me fait tout astrologue yo, tout devin yo, tout magicien yo vin là, pas gon monde qui ka bam explication ça qui écrit là. Et verset 16, j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Monsieur offrit Daniel même ça l'était offri. Li gardé nous t'a dit là mais c'est acheté Daniel, OK? Et c'est acheté Daniel, li offrit Daniel même ça l'était offri parce que ça t'est bouleversé monsieur, le besoin qu'on ait qui sa bagaille ça y est. Et verset 17, Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Daniel dit: ou mettre kembe cadeau yo, m'a pas besoin cadeau, m'a pas vine là pour cadeau. Kembe cadeau yo, m'a gardé m'a li ça qui écrit là et m'a bon explication. M'a li ça qui écrit et m'a bon explication. Moi m'a mettre cette image ça pour en pile monde comprendre que ça qui t'est écrit c'est ton bagage à peu près comme ça parce que yo d'après recherche qui fait gade, format écriture nan époque ça t'est passé assez comme ça outé. C'est ton bagage à peu près comme ça qui ton petit Jean brillé gade yon paquet lettre sans voyelle sans espace moun yo te gen difficulté pour yo te li yo. Maintenant Daniel dit monsieur ou pas besoin ba tête problème m'a li ça et m'a bonne explication et dans verset 18 ou après monsieur li rentre dans conscience ou Belshazzar ou ta ka dit c'est ou li pa pral parler non. On chrétien long côté gon bagage qu'a fait qui pas bon avec sagesse mais faut dire ça qu'a fait qui pas bon faut dire pas bon ou pas qu'a cautionner. Verset 18 monsieur dit ou regardez bon Dieu te bail Nebuchadnezzar grand-père ton père l'empire la grandeur bon Dieu te bail Nebuchadnezzar tout royaume nan bon Dieu te bail Nebuchadnezzar pouvoir et à cause de ça bon Dieu te bail Nebuchadnezzar tout peuple te gen crainte pour lui. Nebuchadnezzar te gen pouvoir pour tuer moun li vle, pour arrêter moun li vle, pour faire sa vle. Verset 20 dit: mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Soit lit jusqu'à verset 21 ou après Belshazzar Daniel rappelait Belshazzar ça qui t'est arrivé avec Nebuchadnezzar parce que Nebuchadnezzar pas te gain respect pour bon Dieu. Daniel rappelait à Belshazzar ça qui t'est arrivé Nebuchadnezzar parce que Nebuchadnezzar était arrogant. Daniel rappelait ça. Des fois il y a des rappels fois au baoul même pour songer regarder qui ça bon Dieu t'a fait pour songer dans quelle situation t'es. Et Belshazzar te kon tout bagay sa yo. C'est ça que fait Daniel gade li retourner sous ça
pour le faire monsieur songer. Et verset 22 a dit, et toi Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu suces, Belshazzar dit, connais ça qui t'est, Daniel dit, connais ça qui t'est passé, yo. Ou connais toutes ces choses. Dans pile nan nous, nous connais tout ça pour nous faire, mais nous pas choisi faire, yo. Nous connais ça, bon Dieu, mandé, mais nous pas choisi vivre selon volonté de Dieu. C'est grand pile bagay, c'est pas connait nous pas connait yo, mais nous choisi faire l'autre bagay pas nous. Frère monsieur Zamim, connait seulement pas suffit, mais est-ce que nous pratiquer ça bon Dieu mandé. Maintenant Daniel là nous t'a dit il rentre dans sentiment wa Belshazzar. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Daniel dit, gade, on prend vase précieux, bon Dieu, yo. Ou fait vin là pour boire nan yo. Ou même avec tout, gade pile madame ou yo, tout pile zamou yo. Pour profaner bagay sacré, bon Dieu. Et ou ap adore Dieu yo malgré konnen sa bon Dieu te fait à Nebukadnezar. Ou pas adorer bon Dieu, ou pas louer bon Dieu, ou pas exalter bon Dieu. Et verset 24, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Mais pour qui sa main ça paraît? Mais son fait qui pas bon Belshazzar. Et voici l'écriture qui a été tracée. Mais ça qui était écrit non, mais ça qui te mais ça qui écrit dans sowe qui paraît là. Comptez, peser et diviser. Mener, tekel ufasim. Mais ça qui écrit là. Maintenant, bra le bon explication et Belshazzar. Verset 26. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Daniel, gade, li sa ki écrit et li bay Belshazzar explication. Li bay Belshazzar explication. C'est tankou, c'est jugement bon Dieu qui frappe Belshazzar pour comportement. Parce que tout ça bon Dieu fait devant. Ou kon wè gen série de moun, gade, yo wè la puissance de Dieu. Yo wè vérité. Yo wè ça. Yo konnè ça pour yo faire. Bon Dieu voyait plusieurs moun expliquer yo tombé sous des vidéos au hasard comme ça. Bon Dieu voyait pour parler avec yo sous ça fait qui pas bon. Yo choisi continuer dans route qui pas bon. Frère monsieur zanmi, moi vle di ou patience bon Dieu la fini on l'heure pour. C'est comme si ou repousser bon Dieu, ou repousser bon Dieu, gon le jugement bon Dieu a tombé sur. Et c'est ça qui arrivait avec wa Belshazzar. Et verset 29 la dit nous aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Côté Daniel a expliqué rêve avec Belshazzar, il dit nous même jour, pendant Daniel a expliqué rêve là, gardez, Mède et les Perses étaient envahi Babylone. Moi te dis, Babylone gagne Euphrate qui passait dans mitan bon pas connait est-ce comment vous fait comment de loi entrer est-ce que mettez gris qui ça vous mettez pour barrer de loi mais histoire dit nous garder met et les Perses nous te la Bible dit stratégie a utilisé il a fait Euphrate sèche. Maintenant yo utilisons stratégie yo dérouter de loi. Gloa vin descendre, li vin descendre et yo prend ou de loi yo rentrer Babylone. Et yo rentre Babylone pendant moun yo nan fête a garder à prendre plaisir après l'ambre. Yo pas même konnen même. Yo pas même konnen Mèd et les Perses te getan en dans Babylone. Te getan en dans Babylone et même jouan. Yo di nou, garder Belshazzar te mouri.
Belchadza te mouri, moun yo pa te foken force, parce que moun yo te pa te remen Belchadza comme moi. Na abonne pa te afe royal reglan yen pou li. Se a di pa gen la me ki goum, mais pa gen non. Lorsque Medele Perse rentre, Sirius rentre avec, Darius rentre avec moun li yo, gade soldat yo te sou nan fèt, et puis gade yo tuye Belchadza. Belchadza perdu pouvoir, il dit non, en octobre 1539, Babylone tombé. Babylone pas existé encore. Malgré chance, bon Dieu, te baillot pour te capable de repentir. Et ça m'a dit là, il y a une découverte archéologique qui fait, soit elle tape sur Internet, cylindre de Cyrus, ok, les trouver actuellement à Londres, et non musée à Londres, ou après, alors Cyrus, non. Nan document sa, li explique tout façon li jwenn sans problème li rentre, yo te rentre Babylone et yo gade yo emparé de Babylone sans problème. Découverte ça te fait en 1979, OK, ou soit fait tes recherches sur internet ou apwè li. Exactement Jean bon Dieu te dit la fête là, li fait exactement. Frère monsieur mes amis, bon Dieu par contre bay menti et octobre 539 et Babylone t'est tombé. Babylone pas existé encore. Et Daniel t'hérité, nous pral wè sa pi devant, Daniel t'hérité chef. Daniel t'hérité chef parce que il était fidèle avec bon Dieu. Parce que il pas t'est rentré dans n'importe bagaille. Ou même qui c'est chrétien, jeune garçon, jeune fille, nous pas qu'à rentrer dans n'importe bagaille. C'est pas toute fête qui pour nous. Côté garder, c'est pas tout endroit qui pour nous. C'est pas tout espace qui pour nous. Babylone, c'est confusion. Maintenant, Babylone littéral là, en 539, il est tombé. Et gagnons historien qui est Hérodote, monsieur écrit, il dit, la prise de Babylone par Cyrus, futur empereur des Mèdes et des Perses, deux corps d'armée entourent la ville, un corps d'armée détourne l'Euphrate, détourne de l'Oa, ok? L'armée pénètre dans la ville par le lit asséché. Les gardes babyloniens sont pris à revers. C'est-à-dire, regardez, l'histoire, c'est-à-dire, salam djoula aux amis, c'est pas bagay qui inventé la Bible inventée, c'est bagay histoire confirmée. Frère, monsieur, mes amis, là, nous, Babylone littéral, là, li tombe, ou ta ka di frère Joab, qui ça gen pour ouais ensemble avec nous-mêmes qu'a vu aujourd'hui? Si nan Apocalypse 18 que apôtre Jean écrit dans fin premier siècle comme ça, il dit Apocalypse 18 verset 2, il dit il cria d'une voix forte en disant elle est tombée Babylone. Babylone te getan tombé, te getan pas existé depuis 539. Mais dans fin premier siècle, là apôtre Jean parlait de Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur, ô Dieu, verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Frères, messieurs, mes amis, Babylone spirituelle existait jeudi. Hein? Babylone littérale a été tombée en 539, mais Babylone spirituelle, c'est qui s'allier? C'est confusion. Parce que, regardez, peuple bon Dieu, hein? Peuple bon Dieu a yo passé par des moments difficiles. T'es gen Égyptien yo qui te mettu en esclavage. T'es gen Assyrie qui te mettu en esclavage. Mais Babylonien yo son l'autre bagay. Babylonien yo, nous t'a dit, c'est peuple Israël nan te getan construit en nation. T'es getan yon peuple, nous t'a dit, yon peuple qui gen royo, qui gen tout bagay yo. C'était yon déception litéye. Lorsque peuple Israël la t'allé en esclavage en Babylone. Et Babylone lui représentait l'ennemi de Dieu. Et dans Apocalypse, apôtre Jean parlait nous de Babylone aujourd'hui qui existait. Bon Dieu a demandé petite lio pour yo sortir dans Babylone. Babylone c'est confusion.
Dans un premier temps, lorsque dans le grand conflit qui existait entre le bien et le mal, lorsque on accepté Jésus, lorsqu'on choisi suivre Jésus, et bien regardez les tuer mon yo, nous est ça, notre passé tuer mon yo, regardez yo massacrer yo. Et sans mon yo, li te servi en grès pour l'évangile l'en grandi. Maintenant, lorsque li ouè l'évangile l'en continue à faire out li décide, utilisons leur stratégie. Leur stratégie, c'est rentrer, garder en dans l'église dan, des espions. Rentrer en dans l'église dan, agent. Rentrer en dans l'église dan, agent. L'autre a dit, garder jodi, garder nos gros seul bibles. Pour qui ça toute religion sa yo? En 10 ans de cela, il te dit nous avons plus passé 34 000 religions qui existaient. Confusion en même. Lorsque ou avez pour faire un choix pour pas qui ça pour choisir, c'est tactique ça l'a utilisé. Maintenant, bon Dieu fait appel avec petit Clio pour sortir dans Babylone, sortir dans confusion ça. Chercher côté y a étudier la Bible, Jean bon Dieu mandé là. Toute la Bible, et dans Apocalypse 16, verset 12, il dit, le sixième versa sa coupe sur la grande fleuve, l'Euphrate, et son nom tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Là, nous avons Euphrate qui répétait encore. C'est-à-dire, Babylone qui était existé dans le temps, c'était, regardez, c'est une façon d'expliquer nous, Babylone, ça n'a vivre aujourd'hui en fin de temps, même. Euphrate qui était sec, pour mettre et les pestes passées, je dis nous en fait un pour aller regarder des circonstances même qui créaient pour Jésus retourner et n'a vive circonstances ça yo zami n'a vive côté regarder bon mouvement qu'a fait une agitation autour de nous. Maintenant bon Dieu relève pour sortir dans Babylone, bon Dieu relève pour sortir dans confusion ça. Bon Dieu relo gade pour venir faire partie de peuple qui a étudié parole bon Dieu qui était religion bon Dieu pas venir chercher religion en même bon Dieu a venir chercher monde qui fait volonté et volonté bon Dieu c'est dans la Bible. C'est ça qui fait nous prendre décision étudier la Bible ensemble avec vous. Nous espérer ou prendre moment étude ça yo au sérieux. Frère Maxime yo, Babylone littéral là il était tombé. Babylone littéral là était détruit. Et Babylone n'a vive jodi hein. Babylone spirituelle là l'a tombé, l'a détruit. Et bon Dieu relo pour quitter Babylone. Lorsque gardez les Mèdes et les Perses jeter Babylone, le roi Cyrus t'est venu libérer peuple Israël là pour aller la caillou. Go quantité monde qui t'est décidé rester Babylone. Go quantité monde qui t'est décidé rester Babylone parce que tu t'es fait bien Babylone. Yo t'es gétant à l'aise Babylone. Yo t'es gétant garder adapté avec Babylone. Frère monsieur même ou pas qu'à adapter à Babylone. Bon Dieu mande pour sortir pas adapté dans confusion ça. Pas adapté dans situation ça pas bon pour vous. Et lorsque Babylone a tombé ou a détruit avec Babylone. Ou a détruit avec Babylone si ou pas abandonné Babylone. Bon Dieu relé ou. Gan pil nan nou kap tande m la ki connaît ki ça pour nous faire. Ki connaît ça bon Dieu mandé. Mais nous pas senti nous ka abandonner yon série de bagaille. Frère monsieur m'zanmi, bon Dieu relé ou. Bon Dieu relé ou. Pas gan rien qui pi important. Pas gan rien qui pi précieux. Pas gan rien qui pi important que la vie éternelle que bon Dieu voulait offrir ou dans moment ça. Que bon Dieu voulait offrir ou dans minute ça. Ou ap gade vidéo sa. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus. Acceptez la Bible. Acceptez toute la Bible. Suspend jouer avec la Bible. Suspend prendre bon Dieu pour jouer, zami. Bon Dieu pas un jouet. La parole de Dieu pas un jouet. Prends une décision ferme pour camper bon côté la vérité. Et bon Dieu, pour le biais de Saint-Esprit, l'a aidé pour rester dans le plan. Vous voulez prendre décision ça dans moment ça? Vous voulez prendre décision pour quitter Babylone pour venir suivre Jésus? Vous voulez prendre décision pour abandonner tout ça où qu'on est qui a éloigné de Jésus pour capable marcher beaucoup de Jésus? Si vous voulez faire ça, fais mes yeux, baissez tes tout. On nous prie ensemble. Seigneur, merci papa. Merci pour message jodi. Merci parce que vous rappelez nous une autre fois encore. Que confusion yo a fini. Ou rappelez-nous l'autre fois encore
que nous devons quitter Babylone pour nous venir joindre. Seigneur, gapil la petite qui prend décision ça jodi a. Papa t'en prie, mettez sous sous décision ça et puis mettez force sous dans faiblesse nous pour nous capable marcher selon volonté pour nous vivre jaumandi. Pour nous rester bon côté ou quelle que soit situation, pour nous abandonner Babylone quel que soit ça nous t'ai gagné dans Babylone, pour nous abandonner, pour nous venir joindre nous, aidez-nous s'il vous plaît, aidez-nous papa s'il vous plaît, nous prions dans le nom de Jésus, amen.